je dis à Jean, ouais, nous même nous te dit là, je dis à ces journées nous. Donc je dis à ces jours pour chaque grande femme parler. Dans le cadre de travail, nous conscients que problème violence sous femme nan présent en pile de façon générale dans la communauté noire, mais de façon particulière dans le cancer. C'est quand Jean-Marie Vincent, quand Accra 32, quand Marassa 14 et quand Jacques 1er. Très souvent, les gens qui sont victimes de violences, ils ont peur, ils ont honte, mais ils ne sont pas informés non plus. Oui, quand éducation, premier éducation, deuxième petit point. On fait faire qu'à Jacques Souline, il dit maman, ils sont bêtes qui m'ont dit. Yo pa konnen le yo victime de violence pour que ça vive là pas normal trois cas là dedans et yo pa konnen tout qui ça pour yo fait côté qui a qui est adressé côté pour yo aller objectif ça objectif nous premier objectif là c'était informer sensibiliser inciter participation communautaire parce que activité n'est pas faite comme si c'est OIM qui vient faire activité ont été faites vraiment en collaboration étroite avec toute population cancer. S'il vous plaît. Nous avons choisi de rester sous thème ça. Moi, c'est femme, moi, j'ai le droit de quitter me parler. Parce que par rapport à toute question qui a soulevé sous problématique droit moun, donc, l'important nous-mêmes pour nous mettre un grand accent sur droit femme en tant qu'être humain. Garçon, yo dit, yo qui fait pas ces femmes, yo, mais femme, yo dit. Nous avons gagné différents partenaires, tant que comité femmes, comité camp, comité jeunes, bloc leader yo, et puis organisation locale qui travaille auprès de cancer. Plus nous avons gagné le ministère des conditions féminines qui a collaboré ensemble avec nous, et puis nous avons gagné LPEG qui a collaboré avec nous, particulièrement sur le camp Jean-Jacques 1er. Moi, femme ça, depuis 8 mars jusqu'à 3 avril, nous avons fait une série d'activités. Et série d'activités, ça, yo, femme zo, l'été fait vraiment en collaboration avec la population. Ministère souhaite toute femme un bon 3 avril dans la paix, dans la paix contente, dans la compréhension de l'autre, avec l'esprit, toute militante, toute femme qui peut nous mettre au droit de femme active et respectée, mais qui peut tomber dans le moment 10 janvier. Dans le ministère conditions femmes et droit de femme, je souhaite tout le monde un bon 3 avril. Merci un peu. So